Et bienvenue dans le vlog. Alors dans le dernier vlog, on s'est vu avec Christina et on a passé un certain temps au café pour réserver donc une pension. Avec Christina, on a trouvé une pension du coup sur une île près d'Incheon qui s'appelle Sonjedo. On y est déjà allé il y a 2 ans après ma compétition avec Christina et c'était super cool. On s'est trop amusé, il y a plein de cafés, etc. Depuis le temps, il y a encore plus de cafés visiblement qui sont apparus. Donc c'est super cool, j'ai trop hâte de voir Christina. Et pour l'occasion, je vais prendre mon chapeau de plage parce que on va à la playa. Allez, à tout à l'heure. Les gars, je suis trop prête et tout, j'avais mon sac, j'étais ready, putain. Et là j'ai eu le doute. Attends, mais mon bus il est bien à 7h20. Je regarde le billet, il est à 7h40. Bravo Megan. Je me fais trop remarquer. Je suis la seule avec un chapeau dans le bus terminal. Du coup, tout le monde me regarde. Je pense que j'ai l'air d'une grosse touriste. On n'est pas parti. Comment c'est possible? Ça fait 20 ans qu'on est dans le bus et on a faim. Surtout Christina parce qu'elle a pas petit déjeuner. On va manger des coquillages. Bon, on est enfin arrivé. Il n'y a pas d'eau. Voilà, c'est que de la gadoue. La gadoue, la gadoue. Et on va aller au marché aux poissons pour manger. En fait, c'est pas ici qu'on va loger. C'est juste qu'on voulait manger un truc spécial, enfin je voulais manger un truc spécial, du coup j'ai saoulé Christina qui est très gentille, alors elle a dit ok. Et du coup on va manger des coquillages. Ok, ici il y a des gens qui vendent du poisson, ah il y a des colas. Mais on est les seuls Wegougin, hein. Ça c'est tout frais, on peut choisir et on peut manger directement sur les tables à l'intérieur, c'est dingue. On est dégoûté, c'est fermé les gars, c'est fermé parce que remodeling. Heureusement à côté il y en a un. Un resto survivant qui fait du jogegui. Alors avec Christina, on y va. Ouais, le tapis rouge, c'est Cannes. Avec un sac à dos. Ok, ça fait un peu flipper les gars. C'est bon, il y a des gens. C'est trop bien. On a vu sur le port. Eh, c'est trop ouf, Christina Net. Et on a reçu les banchan. Et il y a des bandejis. Ah, ça me dégoûte. En plus, je déteste l'odeur, ça me... Christina, dans mes vlogs, c'est toujours toi qui coupes tout. Allez, Christina, allez, Christina. C'est la tête de la concentration, là. Comme ça, Amnida, et... Il a l'air super épais. Oui. Ça va être trop bon, Christina. Ok. Est-ce que j'en mets des petites? Alors, Megan à l'œuvre. Ouais, bah, on n'est pas trop sûr de ce qu'on fait là. Meuf, t'as vu la taille de cette huître? Comment on va bouffer ça? Je mets des petites coquilles. Ok. Très bien. Super bon. Tchan. Attends, faut tremper le temps. Et c'est parti. Tiens, c'est pour toi. Le poulpe. Il se passe quelque chose ici. Regarde, c'est ouvert. J'ai aucune idée de ce que c'est. Mais vraiment, c'est un coquillage. Ah, ça c'est du... Dans la sauce.
La sauce, elle est sucrée. C'est bon. J'allais faire la même. Là, il y a de la sauce, par contre. C'est des algues, je pense. Moi, j'ai peur de me prendre un truc dans l'œil. Ah, on les a faites brûler. Tiens. Les gars, on fait n'importe quoi. En tout cas, elles sont bien cuites. Hein. Ça, c'est trop bon, ça. Ça. Oh my god. Wow. Non mais c'est ouf parce que ça chauffe en fait et la coquille elle brûle et elle se casse. En tout cas, tout à l'heure je l'ai fait tomber, il s'est cassé en plein de morceaux. Wow. Vas-y, moi ça me fait vraiment peur. Parce que je pense que ça va être très dur à mastiquer. C'est que ça ressemble à un escargot et moi j'aime pas les escargots. Ça ressemble à... Waouh, la double pince de Christina, attention. Bon alors, on a demandé et ça se mange comme ça, donc je vais essayer de le casser. Bon, tu le casses? Ah, c'est bon, il est cassé. Attendez. Christina Annette, c'est mon mini œuf. Il est tout petit, mais vraiment tout petit, genre. Waouh! Christina, t'es trop une warrior, hein, franchement. Déjà, je sais pas si vous l'avez vu parce que je sais pas si c'est dans mes vlogs, mais Christina, elle a déjà mangé des bonnes déguis. C'était sur Instagram. Ah, c'était sur Instagram. Deux fois, elle a mangé des bonnes déguis devant moi. Allez, vas-y, essaye. Attends, mais dans la sauce, moi, ça me fait trop peur. Hein. Attends, je vais voir un peu à quoi ça ressemble. Christina, elle est franchement ma déesse. Laisse tomber. Par contre, ça va. Ça, c'est le meilleur de tous. Je sais pas, je pense que c'est la partie rose. C'est hyper sucré. Il est trop mignon. De l'amour. C'est bizarre. Regarde. On a raison d'avoir fait ce côté-là de l'île en premier. Christina Net. Hello. On traverse le pont. On est arrivé au café. On va à Floredo. C'est quoi ça? Hazelnut? Je sais pas, prends celui qui est le plus gros. Celui-là, c'est le nôtre. C'est parti. C'est trop beau. Voilà, ça va faire du bien. Jeanne. Je suis pas de la même couleur ici et là. J'ai bronzé du visage, je pense. La même couleur que ton rouge à lèvres. Ouais. Putain, c'est vrai en plus. Tout le temps d'en bas, pour qu'on voit ton double menton, c'est ça. Mais cette frayeur à chaque fois, putain. Fais ta belle. On va bientôt partir du café et comme le bus il est dans combien 90 minutes, on va marcher. J'ai changé mes chaussures les gars, j'ai mis des baskets parce que là on est assez loin, on est à 50 minutes à pied de notre guest house. En vrai on a la flemme de partir, on est trop bien là, on est au soleil, on a trop la flemme, on est trop bien. On a juste bouffé. Ah ouais, c'était trop bien.
c'était trop bien aussi. Et bronzé. J'ai pris des jolies photos. Bye. Je vais aux toilettes. À tout de suite, Christine Annès. Fait trop rire. Trouvez Christina sur l'image. Regardez-la là-bas là. Elle est trop mignonne. Et on est arrivé à la pension. Let's go. Par où le check-in? On sait pas, c'est par où. On est en Corée, on a les petits chaussons. On enlève ses chaussures et on met les petits chaussons. Ils sont trop mignons. Alors, donc voici la salle de bain. Et oui, alors là, on met tous les produits possibles. Il y a même du cleansing foam, il y a de la vaseline. Il y a du dentifrice et il y a des brosses à dents. Des brosses à dents. Et ouais, c'est la première fois que je vois ça. Il y a de la vaseline. Et donc ici, Christina, elle est dans la cuisine. Et là, il y a une bouilloire aussi. Il y a un cuiseur à riz. Oh, c'est trop mignon. Ouais, grave. Le canapé, la télé, le micro-ondes, le frigo. Et là... C'est une pièce multifonction. Ça, c'est si on veut faire un barbecue. Oh, ils ont une terrasse en dessous, putain. La jacuzzi. On ouais. Savait pas, c'était pas noté. Hein. Ouais, on savait même pas qu'on avait pris un truc avec un jacuzzi. C'est un jacuzzi avec une fenêtre. Ça veut dire que Christina, elle peut se mettre à poil et moi, je peux l'observer. Ouais, là, l'escalier, il est un peu... Il est coupé. T'es pas montée, toi, encore? Non, j'ai pas vu. C'est trop mignon. C'est trop propre. Voilà. Du coup, on est super contente de notre accommodation. Bah voilà quoi. C'est trop mignon. Ouais, c'est joyeux. C'est incroyable. Vraiment, ça sent grave le propre. Ça, c'est trop bien. Nous, on a été à la Pionidium et on a acheté plein de trucs à bouffer. Du coup, on va préparer notre dîner. Il est 9h du soir. Et voilà notre repas 5 étoiles. La la la. Bon alors, je vous explique le délire, je me suis réveillée à 6h30 et j'étais très malade. Oui, Christina dormait et moi j'ai passé 2 heures, littéralement, dans la souffrance. Et quand Christina s'est réveillée, elle m'a vue. Au départ j'étais sur le canapé, après j'étais par terre dans la salle de bain, allongée sur le carrelage, en souffrance, en criant « Christina, je vais mourir, appelle le SAMU !» Bon bref, maintenant on va petit déjeuner dans un café. Mignon ? Oh, les camarades. Ouais, moi c'est je fais le tour des champs du quartier. Qu'est-ce que c'est, tu vois? Qu'est-ce que c'est? Auto y est plus que bonne. À tout de suite. Mon chien. Thank you.
Je viens de me faire attaquer par une bête. Elle m'a piqué ici. Attendez, il faut que je vous montre. Je sais pas si vous voyez, j'ai un point rouge. Et en fait, elle est restée coincée dans mon t-shirt. Elle m'a piqué, elle est ressortie, elle est restée coincée dans mon masque. Elle m'a piqué ici derrière l'oreille. Ah, mais si, si, je le sens maintenant, regarde. Oui, là, ça gonfle. Putain, ça gonfle. Bon, du coup, je mets de la crème solaire parce que vu comment la journée est partie là, la dame derrière nous, elle a osé dire ah, oh, il fait trop frais. Parce qu'ils sont à l'ombre. Nous, on a la seule table de toute la rangée qui a pas de parasol. Voilà, voilà notre parasol. Vous voulez voir, Tristan, elle a mis son chapeau dessus. Voilà. Et au moins, on a une super belle vue. C'est trop joli. La jeune génération. On voit, hein, t'as l'habitude, la célébrité, ça te va bien. Oh, t'es trop bien. J'avoue. Vas-y, allez, Christina. T'as des billets de 10 000 ah. Moi, je danse avec toi pour 10 000 won. Ils ont fait des tests à une époque. Ouais. Oh, fuck, une biche.